Quand je vins sur terre, j'étais tout petit, petit, et mon caractère était indécis. Lorsque ma nourrice m'offrait ses petites boîtes au lait, en hésitant, je lui répondais: je suis un petit indécis, je n'ai pas réfléchi. Lequel dois-je prendre, ma foi, le sein gauche ou le droit? Le lait est peut-être frelaté, il pourrait me griser. Après mûre réflexion, je préfère un picon. Je grandis, c'est logique, et vu du poil au menton, fit de la politique dans les réunions. On me demandait mon avis pour le bien de la patrie. La droite, la gauche, quel est votre parti? Je suis un petit indécis, je n'ai pas réfléchi. Voyons, serais-je socialiste, radical, communiste? Deviendrai-je fortuniste ou bien je m'en foutisse? Je crois bien que comme papa, je resterai auvergnat. J'aimais une belle, sans en être sûr et certain, jamais la demoiselle n'a su mon béguin. Je me demandais souvent, me plaît-elle vraiment, ou bien est-ce que je m'en moque totalement? Je suis un petit indécis, je n'ai pas réfléchi. Pour ne pas trop me faire voir, je passais sur l'autre trottoir. Elle vient de se marier, dit-on, moi je suis resté garçon. C'est pour ça, heureusement, qu'on n'a pas eu d'enfant. Mais ma chansonnette est finie, j'en suis navré. Je suis un peu bébête et même très embêté. À l'instant, je viens vous demander si je dois m'arrêter ou bien s'il faut encore continuer. Je suis un petit indécis, je n'ai pas réfléchi. Puisque le disque est fini, pourquoi donc suis-je ici? Mais j'ai une idée gentille, pendant qu'on change l'aiguille, je retourne à la maison prendre une décision.